suis donc Philippe Varnier, je suis un homme que je me qualifie comme un homme de marketing et de distribution. J'ai un petit peu roulé ma bosse dans les grandes entreprises, en marketing, en direction générale. Et j'ai découvert le web à travers spartoo.com, puisque j'étais le président cofondateur de Spartoo au moment où on a démarré l'aventure, que j'ai quitté en 2005 pour me lancer dans une nouvelle aventure qui est celle d'eView, dont je vais vous parler aujourd'hui. Venant du web, ça fait maintenant quelques années que je dis ça, alors c'est vrai que ça paraît un petit peu surprenant, mais je ne crois pas au succès du e-commerce traditionnel. Quand je parle du e-commerce, je ne parle pas d'un e-commerce type photo web, je parle de e-commerce où il y a des stocks de produits physiques, avec des marques, avec des prix, avec des produits qui sont immobilisés. Donc plus la logique de commerçant Amazon. En ligne. Ce qui est marrant aussi là, dans cette phrase, c'est de parler déjà de e-commerce traditionnel, parce que finalement le e-commerce, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et dire s'il y a déjà du e-commerce traditionnel, c'est entendu déjà has-been, c'est quand même quelque chose d'important. Alors pourquoi je ne crois pas au e-commerce traditionnel? Parce que les sites qui ont formidablement bien réussi dans cette logique de e-commerçant, au départ, ont vraiment fait la différence sur la qualité de service. Or, aujourd'hui, ça ne sert plus à... Tout le monde est performant, tout le monde livre en deux jours, tout le monde sécurise des paiements, tout le monde fait des retours gratuits ou pas, enfin, offre la qualité de retour. De toute façon, c'est la loi qui l'oblige. Et donc, ce qui pouvait être un élément de différenciation important au début, aujourd'hui, est devenu une banalité. Le consommateur, lui, il les a peur. Hein, on change de magasin en un clic. Donc ça va vite, hein, c'est plus vite que de traverser la rue. Hein. Et ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on vend, enfin les sites de e-commerce vendent les mêmes produits, bah finalement le seul élément au final qui reste, qui emporte la décision, c'est le prix. Et donc à partir du moment où c'est ça, ça veut dire que la marge, les prix ont une tendance forte en permanence à la baisse, la marge se dégrade. Un petit peu plus à chaque exercice, et la rentabilité s'éloigne. Donc, et on a pu voir déjà depuis quelques années, même des grands, qui avaient pourtant des réussites extraordinaires, je pense à des gens comme Pixmania ou autres, perdre de l'argent et partir au tapis. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de photos web, qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie. Aujourd'hui, la plupart des e-commerçants ne gagnent pas d'argent, à commencer par Amazon. Zalando, par exemple, un ovni venu il y a 4-5 ans. L'année dernière, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Europe ne gagne pas d'argent et vient d'annoncer un premier semestre ou trimestre tout juste positif. Donc, à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent dans ce business-là? En revanche, je crois depuis très longtemps au succès rapide du multicanal. Parce que aussi je suis un homme de retail, vous l'avez vu, donc je sais ce que c'est qu'un magasin, je sais comment ça marche. Et pour moi, le multicanal, c'est quoi? C'est surtout l'association de tous les avantages du web avec les avantages du magasin. Et je pense que c'est ça la clé de la réussite demain. Et pourquoi les pure players, aujourd'hui, de mon point de vue, ont des vraies difficultés? C'est que d'abord, ils sont rentrés très vite dans une logique capitalistique. Il faut bien voir, pour resituer le débat, hein, je parlais du e-commerce traditionnel, mais moi, quand j'étais dirigeant du groupe GoSport, je suis arrivé en 2001, on fermait le site internet GoSport de vente en ligne, parce que c'était mort. Il y avait eu la bulle des années 2000, GoSport s'était structuré avec je ne sais pas combien, une cinquantaine de salariés, et puis ça ne marchait pas. Terminé, on a plié. Decathlon a fermé son site de vente en ligne, je crois que ça devait être en 2004. En disant, bon, c'est mort, le e-commerce, ça ne marche pas. En 2004, ils ont fermé leur site de vente en ligne. Et puis, il y avait des petits malins, dont j'ai pu faire partie, qui, avec mes jeunes associés, on s'est dit, tiens, là, il y a une opportunité, parce que le monde a changé, et le monde a changé vite. Notamment, le haut débit était arrivé, donc ce qui permettait de télécharger rapidement des pages, avoir des informations importantes dans un temps record, et la sécurisation des paiements. Et donc, tous ceux qui pensaient que le web était mort n'avaient pas vu ça arriver. Et donc, il y a eu une espèce de logique d'aller vite.
mais qui était dans une logique purement capitalistique de prise de part de marché, en disant on va vite prendre une grosse part de marché, puis on va vite se faire revendre à quelqu'un qui va faire capoter le machin après, parce que c'est souvent comme ça que ça se passait. Mais au passage, on va essayer de se faire un maximum d'argent. Et puis, il y a une logique un petit peu plus structurelle. Eh bien, c'est que à partir du moment où on est dans une logique de prix, avec une concurrence qui se développe très forte, très fortement et très rapidement, l'international, Zalando, inexistant il y a encore 5 ans, qui est un monstre européen. Et donc, je pense qu'il est également très difficile de créer une valeur durable qu'à partir du moment où finalement tout le monde vend à peu près la même chose, la même marque, et donc ça devient compliqué de faire la différence. Donc les pure players, ça a été surtout un phénomène de rapidité, mais très fragile parce que manque de moyens financiers, alors que les distributeurs bien installés, eux, ils sont peut-être un peu plus lents, mais ils sont beaucoup plus solides et ils ont des arguments à faire valoir. Alors pourquoi les distributeurs sont-ils mieux armés? D'abord, ils ont la notoriété. Vous n'êtes pas obligé de taper dans Google le magasin vendant des disques, des livres et des machins, vous tapez Fnac.com direct. Donc vous ne rincez pas Google qui vous pompe une partie importante de votre budget marketing. Et ça fait la différence, hein, parce que les coûts d'acquisition client dans le e-commerce, c'est quelque chose de significatif. Ensuite, quand vous êtes un grand distributeur, vous avez des fournisseurs qui vous apprécient, qui aiment faire du business avec vous, donc vous avez accès aux produits. Vous pouvez même demander des produits spécifiques, atypiques pour votre marché. Vous avez la logistique. Moi, j'ai travaillé chez Intermarché, la logistique, c'est extraordinaire. C'est tous les jours, il y a des camions qui partent pleins, ras la caisse du camion, et le circuit de distribution logistique est optimisé en fonction du chargement. C'est pas tous les jours je fais tel circuit, c'est en fonction de ce qu'il y a dans le camion que j'optimise mon circuit. Donc c'est des trucs de ma boule. Et donc de là à faire une petite dérivation pour faire un petit colis, envoyer dans Colissimo ou en faire je sais pas quoi, on parle de rien du tout pour ces gens-là. Ils ont la base client, les cartes de crédit, de fidélité, de machin, des millions d'adresses mail pour parler avec leurs clients. Et puis, ça je l'ai vécu et je le vis encore tous les jours, on met pas la virgule au même endroit. Quand on est dans la distribution, quand vous travaillez dans Intermarché qui fait 65 milliards d'euros d'achats, bon, quand vous êtes chez You, vous la mettez ailleurs. En ce qui concerne l'émergence du clic et du mortar, ça se confirme. Ça, c'est une étude qui date de 2011. J'ai oublié de mettre la source, il faudrait que je la retrouve. Mais en fait, on voit, vous avez en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, dans le top 20 des plus gros sites de e-commerce, eh bien, vous voyez que, de façon internationale, les gens qui sont à la fois des enseignes et qui ont un site web sont aujourd'hui plus nombreux que les simples pure players. Donc ça, c'est confirmé, mais ça date de 2011. Donc après ce petit préambule, je vais vous parler plus du projet de eView. Puisque, vous l'avez compris, l'idée, c'est d'être précurseur dans le multicanal et donc d'inventer, de proposer la nouvelle façon d'acheter ses lunettes de vue, si possible en les payant moins cher. Alors, le concept d'eView repose sur trois forces fondamentales. La première, c'est des technologies innovantes. Et je vais vous expliquer en quoi elles sont innovantes. La deuxième, c'est une distribution en rupture. Et la troisième, c'est malgré tout de maintenir la relation qui est importante entre le client et l'opticien. Parce que des lunettes, ce n'est pas une paire de chaussures, ce n'est pas des DVD. Donc c'est un produit de santé qui nécessite un certain nombre de choses. Alors si on regarde le concentré de technologie, aujourd'hui on a développé plusieurs outils, dont le premier c'est la reconnaissance morphologique. C'est-à-dire que la personne se met devant notre écran, qui est un grand écran tactile, devant une webcam, et là, il y a on ne le voit pas très bien, parce que j'aurais pu le mettre en vidéo, mais il y a un petit scanner qui passe, et qui reprend un certain nombre d'informations sur le client, que ce soit sa distance pupillaire, la forme de son visage, son genre, c'est un homme, une femme, son âge, la couleur des yeux, etc. Donc là, on n'a rien à dire, on est juste devant la caméra, et puis voilà. On identifie tout ça. Et l'âge aussi est déjà
Non, on le rentre, non. Non, non, l'âge. Non, non, c'est la webcam qui détermine qui, l'âge aussi. D'accord. Non. Avec plein de trucs, les rides, je sais pas quoi, moi, l'implantation des cheveux, que sais-je. Chaque âge a ses... Comment ? Je disais la taille des oreilles. La taille des oreilles. Voilà, entre autres les oreilles. Mais bon, c'est pas moi qui fais les briques, alors je pourrais pas trop vous dire ce qu'il y a dedans. La deuxième étape, c'est une analyse plutôt stylistique, c'est-à-dire que là, avec que quelques questions, on essaye de cerner un petit peu la personnalité et les goûts de nos clients. Et pour pouvoir passer à la troisième étape, qui est finalement un outil d'intelligence artificielle qui intègre l'ensemble de toutes ces données, à la fois morphologiques, psychologiques et autres, et qui va être capable, qui est un système multicritère auto-apprenant, qui va permettre de proposer aux gens, enfin, des lunettes qui sont réellement susceptibles de leur plaire. Pas des lunettes qui leur vont, parce que tout le monde achète des lunettes qui, au final, nous va, mais qui sont réellement des lunettes susceptibles de plaire à la personne. Et bien entendu, l'essayage se fait en réalité augmentée. Donc là, vous avez la personne qui n'a pas de lunettes sur le nez, mais qui se voit dans un miroir virtuel avec ses lunettes, et de profil, enfin, qui peut tourner la tête, comme face à un miroir, en fait, un petit peu, et qui peut comparer plusieurs types de montures, et choisir celle qui lui conviendra le plus, le mieux. Bon, le film s'arrêtait un peu brutalement, mais... Une distribution disruptive, ça c'est un élément important, c'est le deuxième élément important du concept que nous mettons en place, parce que c'est aussi par la distribution qu'on exprime ce que l'on est, et à un moment donné, c'est là aussi où ça peut amener à raconter des histoires différentes. Alors le choix qu'on a fait, c'est qu'on a développé plusieurs types de concepts. On en a trois exactement. On a celui qu'on appelle Smart Optical Shopping Shop. Donc on est plus dans une logique de corner, puisque l'avantage de notre espace, vous l'avez compris, c'est finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de surface. Pour offrir malgré tout tous les services d'un opticien traditionnel, exactement la même chose, avec en plus un choix extraordinaire, puisque dans cette petite cabine ou dans ce petit corner, on a plus de choix que Grand Optical Champs-Élysées en termes de marques de montures, de modèles, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des cabines ou des corners shop-in-shop, donc on implante dans des magasins déjà existants, c'est-à-dire toute l'idée, c'est d'aller là où il y a du client, là où il y a du trafic, là où il y a du passage. Donc on a pensé aux pharmacies, pourquoi pas dans des enseignes de sport, pourquoi pas dans des enseignes de cosmétiques, de mode, etc., où finalement, dans un autre contexte, les gens vont être susceptibles de pouvoir acheter leur équipement, leurs lunettes. Le deuxième concept, c'est plus sous la forme de kiosque. Alors ça fait entre 3 et 7 mètres carrés au sol, c'est tout. Et vous avez évidemment la présence d'un opticien à chaque fois, puisque je vous ai dit, c'est un des points clés. Il n'est pas question, c'est pas du self-service, les gens ne se débrouillent pas tout seuls. Pas encore, en tous les cas, on n'est pas encore dans un photomaton. Le deuxième concept, c'est un petit peu plus grand, c'est un kiosque qui fait entre 20 à 50 mètres carrés, qui existe en deux versions, et qui permet de s'implanter dans les malls, dans les centres commerciaux, donc dans les allées, là où il y a les clients qui passent. C'est-à-dire que ce n'est plus le client qui va rentrer dans le magasin, mais c'est le magasin qui va être sur le chemin du client, finalement. Et puis le troisième concept, c'est plutôt pour le centre-ville, c'est la petite boutique qui permet, qui fait aussi 20 à 40 mètres carrés maximum, donc qui a, en occupant très peu d'espace, a un coût de loyer, finalement, un coût au mètre carré qui peut être élevé, mais comme il y a peu de mètres carrés, finalement, ça coûte pas cher pour aller capter des emplacements premium dans les centres-villes et être extrêmement bien situé. Là, je disais, en plus, la force d'un concept comme ça, c'est qu'on n'a que l'imagination pour limite, puisque
On peut mettre notre corner dans un camion et faire le tourner des entreprises. On peut aller dans les organismes des mutuelles, enfin, etc. On peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses sur la distribution de notre type de produit. Les avantages d'un concept comme ça, c'est qu'il est conçu, il est nativement économique. Donc c'est là où c'est important, puisque d'abord, ça nécessite de faibles investissements par espace de vente. Ouvrir un magasin d'optique de cette nature, ça coûte facilement jusqu'à 5 fois moins cher qu'un magasin d'optique traditionnel. Donc ça, c'est important. Des petites surfaces pour capter des emplacements premium, c'est ce que je viens de vous indiquer. Et zéro stock en boutique, puisque l'idée, c'est de vraiment travailler jusqu'à aller au bout de la logique du multicanal. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui se disent, nous, on est multicanal, on a des magasins, et puis on met notre site web. Mais ça n'a aucun intérêt, les gens ils s'en foutent de lire, de voir le site web dans le magasin. Là, l'idée, c'est d'aller au bout de la logique et d'avoir un choix important dans des petits espaces et de pouvoir réellement essayer virtuellement. Donc zéro stock en boutique, avec cependant un stock extrêmement important centralisé, donc capable d'envoyer à tout endroit de France ou même à l'international le produit qui aura pu être présélectionné par le client. Sachant que n'oublions pas qu'on est dans du multicanal, donc les gens peuvent rentrer par le monde physique, mais peuvent aussi en amont sélectionner leur monture éventuelle directement sur le site web et les faire envoyer pour les essayer en vrai lorsqu'ils vont arriver au rendez-vous dans notre espace. Le mode de développement qu'on a choisi, parce que c'est le moins onéreux, c'est celui du développement sous le mode de l'affiliation, c'est-à-dire que l'idée, c'est de maîtriser notre réseau. Aujourd'hui, eView a déjà un réseau d'opticiens partenaires. On en a 400 en France. Hein, donc, on a notre propre boutique à Grenoble. C'est page pub. Il faut y aller. Hein, c'est passionnant de se regarder en 3D avec des lunettes qu'on n'a jamais portées. Et donc, l'idée, c'est de se développer sous le mode de l'affiliation. Et donc, ce qui constitue aussi pour des jeunes opticiens une formidable opportunité de renouer avec le succès de leurs aînés. Parce qu'aujourd'hui, un opticien, il sort 2500 opticiens des écoles tous les ans. Ce sont potentiellement des smicards à vie. Puisque aujourd'hui, aucune banque ne va financer l'ouverture d'un xème nouveau magasin d'optique. Ils ont bien compris qu'il y en a beaucoup qui vont souffrir. Donc à part être salarié dans un magasin d'optique traditionnel, ça devient très compliqué. Là, l'idée, c'est de leur aussi permettre de participer au développement de ce projet en créant leurs propres affaires dans le cadre de la démultiplication et le développement du concept d'eView. Et puis, c'est un concept qui, étant nativement économique, génère malgré tout une très bonne profitabilité tout en vendant des produits jusqu'à 40% moins chers que ceux qui sont proposés sur le marché. Et point non négligeable, c'est également un concept qui est facilement internationalisable parce que le marché de l'optique est un marché où finalement dans tous les pays du monde on vend aujourd'hui de l'optique de la même façon et ça fait 40 ans que ça n'a pas bougé. Donc là on va peut-être essayer de faire bouger les choses un peu partout. Pour le consommateur, il s'agit d'une nouvelle expérience ludique et agréable avec un hyper choix, une hyper personnalisation, une hyper objectivité dans la recommandation des montures. Parce que nous, qu'on vende celle-là ou celle-là, ça n'a pas d'importance. L'opticien traditionnel, il a quand même des objectifs de faire retourner son stock. Tout ça au prix du web en totale transparence, notamment sur le prix des verres, et sans se priver de l'expertise d'un vrai opticien pour faire sa vente en boutique. eView aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de marques de lunettes. On travaille tous les verriers. Alors on a des préférences, hein, parce qu'on a des accords avec certains qui sont plus intéressants pour nos clients et pour nous-mêmes. C'est une plateforme logistique intégrée, avec un stock centralisé dans cette plateforme. Un réseau de 400 opticiens traditionnels en France. L'ouverture de nos deux premiers shop-in-shop digitaux en pharmacie dès cet été. Là, on a signé un contrat ce matin, c'est très bien. Et nos deux premiers kiosques digitaux en centres commerciaux en septembre de cette année également. Et d'ailleurs, un petit scoop, nous avons signé un bail à Grand Place pour Grenoble, où on va être justement dans le mall, dans l'allée principale. Et selon les délais d'instruction, je pense que septembre, ça devrait être pas mal pour l'ouverture. Donc eView demain, c'est quoi? Donc aujourd'hui, c'est notre business existant. On est un site drive-to-store avec un réseau de 400 opticiens. On va continuer à capitaliser sur notre site web.
On développe énormément de recherche et développement en informatique. On devient une centrale d'achat et de services au service de nos réseaux qui peuvent être donc des shopping shops, des magasins en centre-ville ou des kiosques en centres commerciaux. Et ça, c'est un nouveau business. Ici, j'en parle pas trop, c'est une petite incidence. Et on sait être opportuniste et peut-être que dans le archi low cost, il y a peut-être des opportunités à faire et des choses à faire avec certaines enseignes de la grande distribution d'où je viens et que je connais bien. Et puis, une start-up, c'est surtout avant tout une équipe, hein, parce que c'est les hommes et les femmes qui font réussir l'entreprise. Donc voilà, on a une équipe assez soudée, motivée et impliquée. Comme je dis, ils sont plus là pour le projet que pour l'argent, qui pour l'instant, ils en retirent. Mais on a de bons espoirs. Ça ne saurait tarder. On a de bons espoirs. Voilà, merci pour votre attention.